Et salut tout le monde, c'est Benouille. Et oui, aujourd'hui on se retrouve donc pour le deuxième épisode de notre petit let's play sur Cry of Fear, hein, crier de peur. Je sais pas dit ce que ça voulait dire dans le premier épisode. Ça veut dire crier de peur évidemment, Cry of Fear. Voilà. Et donc on va continuer donc directement avec le deuxième épisode. Donc moi j'enchaîne direct les deux épisodes. Pour vous il y aura peut-être une petite semaine d'intervalle, on verra. Donc on va reprendre. Donc, pour rappel, on était arrivé ici, on avait le mec qui nous avait envoyé un message qui nous disait: aide-moi s'il te plaît, aide-moi, je suis dans les appartements, essaie d'en rentrer vite, viens m'aider. On sait pas qui c'est. Je vois qu'on a perdu plus de la moitié de notre vie, c'est pas good ça. Et là il y a plein d'échafaudages, donc on va y aller. Je pense qu'il y a une escalade à faire. Alors, voyons voir. Ouais. Ok, une séance de jump là. S'accroupir. Ouais. Ok. Petite escalade. Laissez-moi passer! Voilà. Escalade. Ah oui, c'est vrai. C'est eux les échelles. Allez. Ça, c'est pour ceux qui veulent se suicider. Comme moi, par exemple. Je n'ai presque plus de vie. Seringue. Équipe. Ah, il fait marquer que j'en ai deux en bas à droite, c'est bien ça, elle se combine. Comment je fais pour repasser? En dessous peut-être? Ouais, parfait. Bon. Je me suis drogué. Voilà. On essaie de plus faire ce que j'ai fait. Putain, moi je suis trop con. Je pensais qu'il y avait un mur invisible en fait. Ok, d'accord, je suis con. Ok, on peut pas sauter par là. Ça commence bien cette sorte de jump là. Putain. Allez. Est-ce que ça peut s'ouvrir ce machin? Ah non, ça m'aurait étonné. Allez! Ah! Tombe pas, tombe pas, tombe pas. C'est bien. J'espère que vous y voyez quelque chose, parce que je réalise que le jeu est quand même assez sombre. Hein. Donc je suis désolé, mais avec ma lampe torche, je pense que ça doit le faire. Ah mais c'est par là. Donc ça peut s'ouvrir. Ah ben voilà, je suis con, on va chercher le chemin là-bas. Alors. Ce sont des appartements, ça alors. Oula, un long chargement. Ouh. Moi non plus, c'est drôle de me dire rien qui vaille. C'est sûr que quand t'entends un bruit comme ça quand tu rentres, t'as juste envie de partir. Bon, donc on peut se barrer si on veut, je suppose. Mais on... Non, j'ai pas envie d'essayer si on a un second chargement. Quatrième étage, d'accord, mais je ne sais pas au quantième je suis en fait. Et lui, le quatrième étage, alors. La porte ne veut pas bouger. Oh putain! Certaines portes s'ouvrent. Putain de merde. Là, y a rien du tout. Ah! Une machine de sauvegarde. Toujours plaisir. Des sacs poubelles là. Ça, ce n'est pas un sac poubelle. C'est un gamin avec des couteaux là, c'est quoi ce machin? Eh oh, mais il fait mal! Ta gueule, gamin! Putain, ils ont vraiment fait des petits détails, ils ont mis des petits objets tout partout, ça c'est bien. Oula, je sens que je vais éternuer. Non? Oui? Non. C'est mon équipe chatouille. Je vais éternuer ou pas, suspense. Alors. Une télévision. Un petit balcon. Ouh putain. Attendez, mais il y avait des trucs là-bas, j'ai envie d'aller voir moi. Je sens pas avoir tout exploré moi là-bas. J'ai pris la première porte. Ah, mais il y avait un papier par terre, j'ai même pas vu. Oh non, mais c'est pas traduit. Oh là là.
C'est hyper mal écrit. J'arrive pas à lire. Bon, vous ferez pas si vous voulez lire, mais moi. Ah, mais si, c'est marqué en dessous. Trois petits enfants jouent dans le parc. Le premier dit: rentrons à la maison avant qu'il fasse nuit. Les deux premiers rentrèrent gaiement à la maison. Le troisième resta jouer tout seul. Viens ici, petit garçon, viens à moi. Les buissons murmurèrent doucement. Ils disent que la curiosité est un vilain défaut. Putain, c'est pervers ce truc. Viens ici, mon petit. Je veux te violer. Un ascenseur. Il est bloqué, il va l'ouvrir quelque part, peut-être, ok. Et par là. Ça ferme, il n'y a rien du tout. Si j'avance. Ah, et donc il y avait d'autres portes, j'ai bien fait. Explorons, hein. Alors. Il n'y a rien du tout ici. Cette porte-là, je suppose qu'elle est fermée. Encore une télévision. Il n'y a aucune porte qui veut bien s'ouvrir. Il n'y a rien à ramasser. D'accord, donc cette pièce ne sert à rien. À moins que j'ai loupé un truc. Non. Putain, ils sont fans de Coca-Cola dans ce jeu. Il y a des bouteilles partout, regardez. Même là-bas, je n'ai que j'ai cru en voir. Hein. Non, c'était pas les mêmes bouteilles. Ok. Bon, il n'y avait rien du tout ici, mais c'est toujours bien de fouiller. Parce que dans un survival horror, il faut tout fouiller, histoire d'avoir le plus de ressources possible. Alors j'ai pris celle-là, c'est celle-là maintenant. Ok. Là, une grande porte. Et c'est fermé de l'autre côté, donc on est bien obligé d'aller là-bas où on avait été au début finalement. D'accord. Je vais vous que je flippe quand même. Hein. Oh, des chaussures. J'ai pas trop l'air, mais je flippe à mort. Oh putain, là par contre, on va faire gaffe de pas tomber, parce que là, si je tombe, je suis mort. Ah là, il faut marquer les étages. Numéro 2, donc non, on doit aller au quatrième. En bas, c'est beau, c'est bloqué, donc ça aussi. Ah non, c'est pas bloqué ça. Merde. D'accord. Attendez, on va l'explorer. Pourquoi je suis sorti? Donc là, on est à l'étage numéro 3 au début. Là, on est à l'étage numéro 2. Il y a encore la cage d'ascenseur ici. La porte, elle est fermée maintenant. D'accord, bon, on va explorer. Oh non 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 non, pas ce genre de truc, je déteste les trucs qui apparaissent et qui disent pas. Ah ok. Ah putain. Ah putain, c'est pas bon pour mon petit cœur ça. Je suis pas cardiaque heureusement. C'est fermé de l'autre côté, d'accord. Pas bouger. Y'a un mec qui pleure. D'accord. Ah, cette porte là elle s'ouvre. Y'a un papier. What the fuck? J'entends un bruit de cœur qui bat. Pas très rassurant, ça. Bon. Ces petits enfants sont si mignons. Ils ont l'air si mignons, je veux juste les toucher. Putain, mais c'est hyper pervers. Mais alors, leurs parents arrivent, c'est pour cela que je dois les tuer. Ok, ok. Putain, psychopathe. Ah, il y a une porte là. Oh putain, je pensais pas qu'elle s'ouvrirait. What the fuck, c'est quoi cet endroit? Oh, une seringue. Qu'est-ce que c'est que ces images? What? Hé hey, hey. Oh! Position. Oh, il y a une clé là. Voilà. Oh putain de mes couilles. Est-ce que je peux me barrer par la fenêtre? Non, parce que j'ai pas envie de retourner par là. J'ai entendu plein de pas ou je sais pas quoi. Bon, on va continuer de regarder nos images, elles sont bien sympas. Ah, tiens, des cadavres. Oh, tiens, des cadavres. Ah, c'est juste des photos de cadavres, en fait. D'accord. Hyper glauque, cette pièce. Qui fout une pièce comme ça chez lui? Je n'en sais rien. Oh, des chiottes. Avec du sang, toujours.
Et un frigo avec du sang. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on est obligé de retourner par là. Alors. Il n'y a plus d'électricité. Ce n'était pas des vrais monstres. Enfin, je pense que notre perso. Soit il y a vraiment de la paranomalie. Je sais pas si ça se dit pas. Ou alors c'est notre perso qui est fou. Ou alors il est en plein cauchemar parce qu'il s'est évanoui avec la voiture. Je ne sais pas. Peut-être que son cauchemar il continue là. Ou alors il est fou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des hypothèses crédibles. Ah, la porte d'en face s'ouvre aussi. Non, en fait c'était la même porte. Cette porte là qu'il faut ouvrir. D'accord. Is locked. Ah, mais attendez. J'ai une clé. Ah ah. Le problème, c'est que je suis descendu à l'étage numéro 2 alors qu'il fallait que j'aille au 4ème. C'est quoi ces bruits là? Sale gamin! Sale gamin! J'arrive pas à te toucher! Sale gamin! Sale gamin! Il me fait mal, sale gamin! Oh putain, j'ai failli crever, sale gamin! Équipé. Ah, faut se droguer vite. Ah. C'est bien. Voilà. C'est bon. Cette porte s'ouvre pas, je suppose. Ouais, j'ai déjà essayé, je sais plus. Je suis en panique. Alors là-dedans, y'a rien. À part un gamin au couteau. C'est quoi ces bruits chelous là? Ouais, c'est flippant. Depuis quand il y a des mecs qui sortent des dessous de lit comme ça? Le mec qui m'attendait était là. Hey, bonjour! D'accord, tu es très bizarre. Mais j'imagine les gens dans la vie qui sont comme ça. Il s'est pas bougé lui. Ouais, il s'est pas bougé. Il s'est sorti des dessous de lit, mais il s'est pas bougé. Voilà. Pauvre. Il est handicapé. Hein. Triste. Oh, on peut casser. Ah non, je croyais. Je suis con. Le portail. Il me semblait bien que j'avais fait un truc à gauche. Bon. Ben ça en fait un de plus. Est-ce que ce portail ne s'ouvre pas? Non, d'accord. Bon. Salut. Ils sont cheatés ces gamins, ils me font chier. Regardez ça comme ils m'enchaînent avec leur couteau là. Et si je vais t'enchaîner. Regardez ça, ma barre de vie, comme elle se vide hyper vite avec eux. Et c'est chaud, hein. What? À moi. Ok, le mur s'est pété. Bonjour. D'accord, le mur il se pète tout seul ici. J'ai utilisé une seringue là quand même parce qu'il m'a fait mal le gosse encore. Putain, c'est les plus cheatés, c'est les gosses quoi. Les grands monsieur qui sont complètement cons. Hein. Putain, c'est moi, il avait des entailles sur la. Comme si c'était taillé les veines, je sais pas quoi. Putain, ce mec est vraiment fou. Déverrouiller le verrou. Ah, c'est cool. Il y a un truc par terre là. Des balles de. Quoi? Glock Magazine? Oh! Il y a un truc là! Donne-moi ça, toi! Est-ce un cadavre? Mon dieu, ça pue! De moi, je m'en fous! Une arme, je vais mieux de la prendre! Mais oui, prends-la, putain! Il y a plein de monstres! Prends la flingue! Parfait! Yeah! Oh yeah, ça c'est bon ça! Un flingue, les gars! Un flingue! Oh ouais! Alors là, par contre. Alors par contre, je vois que j'ai qu'un chargeur en bas à droite. Putain, que un chargeur. Je préfère garder un peu le couteau et le garder pour... Non mais... Oh putain, ça... Avec ça... Voilà. Si je me sentirais mieux.
On a un flingue en cas de besoin, ça c'est nickel. Pas allumer la lumière, non. J'aime pas quand il fait son. On est ressorti où là? Moi je me perds dans ce bâtiment. On était rentré quelque part là-bas, il me semble. La porte à bobo, on l'avait pas essayé, je crois. C'est fermé. Bon. Ascenseur toujours bloqué. Bon, on va repartir par là. C'est de là qu'on est venu. On va essayer d'aller au quatrième étage. C'est là qu'on doit aller. Peut-être que si c'était juste pour avoir le flingue, ça me paraît bizarre, mais peut-être. Ok, donc là, c'est... on peut pas descendre en tout cas. Et troisième étage. Et donc, on va au quatrième. Yes. Ah ah ah, comique. Au cinquième. Oh, d'accord, cinquième non plus. Oula. Hey, arrête avec ça toi. Ok, on peut pas aller au quatrième. Troisième. D'accord. En fait, soit on repasse par le balcon pour retourner au troisième. Mais on a déjà tout exploré, soit on reste au deuxième. J'ai dû louper un truc alors. Qu'est-ce que j'ai pu louper? Il y a un passage quelque part. Ça c'est d'où on vient. Porte. Ça va pas bouger. Celle-là. Ah, lequel? Ah, ben voilà la clé. Voilà. Mais bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est quoi ça? Bon, mais c'était facile à tuer au moins. C'était quoi ce machin? C'est quoi ce truc qui est sorti de leur tête là? Ce bruit, c'est quoi ce bruit, c'est quoi ce bruit? Oh, je flippe là. De round butch. Alors on descend ou on monte? Il faut aller au quatrième, mais je préfère d'abord descendre. Je suis sûr que pour aller au quatrième, il y a un petit truc. Il n'y a pas un ennemi dans le coin. Ah, le premier étage. Putain, il est encore plus sombre que les autres, quoi. Regardez si j'éteins ma lampe torche que ça donne. On n'y voit rien. C'est un bébé là qui pleure. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oula. Toujours peur quand j'ouvre une porte. Sauf si c'est jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Les chaussures. Oh. Alors, on parlait combien qu'il y a un gosse dans une des deux portes. Comme par hasard, il est la seule que je regarde pas. C'était pas un gosse. Voilà. Putain, comme par hasard, il a l'autre porte. Ah, il y a sa magnétophone. Ah, une seringue. C'est quoi ça? Ah, un chargeur. Putain, c'est le prix de radio. Ta gueule, tu fais flipper, ta gueule, tu fais flipper. Bon, sauvegarder. Voilà. Ferme ta gueule, porte. D'accord, ici c'était juste pour avoir un chargeur et une seringue. Ouais, c'est quand même bien. Et avoir un petit coup de flip aussi avec les zombies. D'accord, eux je les déteste. Au moins, il m'aura pas fait peur. Voilà, c'est bon, on l'aura plutôt géré cette fois-ci. Donc on vient de là-bas, ouais. Donc on avance, cette porte. Non, c'est pas une porte. Là, rien du tout. Pas bouger, ascenseur, toujours bloqué, je suppose. Hein? Magie! Il fonctionne ici. Au revoir! On arrive à quel étage avec ça? Oh, quatrième, nickel. Ah, on a réussi à l'atteindre ainsi, en fait. Oh, mais c'est parfait, tout ça. Une note. Alors. 4. Ah, merde, on a loupé la page 3, ça veut dire. Tant pis. Celui-là fut bon. Excellent à tuer, putain.
facile à couper au couteau comme couper de la nourriture. Putain, mais c'est quoi ce fou? C'est qui parle? C'est quand même pas le mec qu'on cherche, j'espère. On sait même pas qui on cherche. Oh, ici, putain, on y est. Oh, à mon avis, c'est la porte avec plein de sang, là. Oh, c'est vraiment... Et puis, comment il sait où on est? Le mec, c'est que ça paraît logique, comme s'il savait quoi... Ici, comme s'il savait où on était. Bon, je m'attends au pire, les gars. Vous savez quoi? Attendez. Hop. Déjà, on est préventif. Et encore plus préventif. Ainsi. Là, allez, maintenant on y va. Qui est là? Si vous êtes gentil. Oh non, non, c'est dégueulasse, il y a une clé dans la baignoire, le mec. Je vais la prendre. Ah. Oh putain, ça continue. Ça arrête jamais dans le jeu. Oh, putain, c'est glauque. Dégueulasse. J'aurais peut-être dû le préciser au début de la série, mais... Enfin si, je l'ai dit, ce jeu provoquait de la peur, des suicides et tout ça, donc c'est un jeu très violent. Bon. On va ranger le flingue. Finalement, il n'y a personne. Ah, il y a un truc là. Alors ici, dehors, il y a quelque chose. Oh putain, hein, cinématique. Sauvegarder, ok. Puis-je grimper ici? Mais t'y es déjà, trop de balles. Ok, c'est quoi ce machin? Bonjour madame, qui êtes-vous? Vous êtes trop bizarre. Vous êtes très bizarre, vous savez. D'accord, vous mourrez, vous mourrez. Vous mourrez, vous mourrez. J'ai dit vous mourrez, connasse. C'est elle qu'on entendait pleurer. Mais non, mais aussi on était au premier étage quand on l'a entendu. On est au quatrième. Oh! Une corde. C'est pour se pendre. Et des chargeurs, ça par contre c'est bon. 4 chargeurs, on pourra l'utiliser un peu notre flingue là. 4 chargeurs, c'est bon ça. Par contre, dans ce jeu, ça je m'en souviens quand j'avais joué, les chargeurs il faut prendre soin parce que quand si t'as tiré une balle et que tu recharges, tu perds carrément un chargeur entier. Bon, du coup, je pense qu'on peut descendre. Ah, il faut sélectionner la corde. Use. Ok, on descend. Ah, pas d'animation quand même, téléporté. Où? Où on est? C'est une très bonne question. Encore un chargeur. Putain, ouais, là, on en a plein. Ouais, c'est bon. On pourra utiliser un peu notre flingue. Ah, on est revenu à cet étage-ci. Ah putain, ça, quand on est dans notre inventaire, ça bouge, ok. Putain, mais elle était pas là tout à l'heure, elle. Donc, ok, donc quand on est dans notre inventaire, ça continue à jouer, ça se met pas en pause. Ah, c'est bien pensé, c'est plus survival. Putain, j'en ai marre de flipper comme ça. À vous, ça doit vous faire rire, mais moi ça me fait pas rire. Il était pas là tout à l'heure ce chargeur. Des seringues, on en a plus beaucoup, je crois, on va voir. Deux. Ouais, j'ai un peu attendu d'utiliser. Écoutez, je vais un peu prendre notre flingue parce que on a beaucoup de balles. On a 6 chargeurs, putain. Plus ceux qu'on a sur nous, donc ouais, on va regarder un peu parce que ces madames là elles ont l'air quand même coriaces. Hein. Ah, la preuve, ta gueule, putain, faut savoir viser aussi. Hein. Voilà, c'est quoi ça? Il y avait pas ça tout à l'heure. Ah non, ah oui, c'est bon, au quatrième étage, on n'y est jamais allé. Une note, c'est peut-être la troisième qu'on a loupé. Ah, c'est le premier. Ah, on est revenu au premier. Ah oui, c'est le truc de tout à l'heure. On est où là alors? What? Attendez, je me perds. L'ascenseur il fonctionne maintenant. Ah non! C'est pas le même, c'est vrai. Putain, il faut que j'aille où? Là? Ah oui, il y a une porte là, on peut l'ouvrir. On est déjà venu ici tout à l'heure.
sens qu'il y a encore quelqu'un pas loin. On va sauvegarder. D'accord, tu joues à machin truc, là c'est bien. On s'en fout. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc vous voyez qu'en haut à droite, je suis en live. Alors, je sais pas, vous pouvez pas le savoir quand est-ce que je filme, mais quand je joue à des jeux sur Steam, je suis tout le temps en live. Bon là, il y a zéro personne, parce que j'ai pas une personne, mais mon live est tout le temps activé quand je joue sur Steam. Ma matériel évolution. Voilà. Ferme ta gueule. Donc je disais même quand je vois l'évolution, il est activé. Oh putain, mais il y en a partout. Et je l'ai même pas vu par la fenêtre, cette conne. On va recharger. Comment? Pourquoi je peux pas recharger? Peut-être qu'il faut l'avoir tout seul dans sa main pour recharger. Ok, il faut avoir les deux mains de lit pour recharger. Oh, c'est réaliste, mais chaud. Ok. Bon. Combien de minutes on en est? 26, on continue un peu. Bon, peut-être qu'il faut redescendre maintenant qu'on a trouvé le gars. Ouais, c'est que la sortie elle était bloquée. Olé! Oh putain de merde, il y en a plein. Ça y est, la fête. Ta gueule, mais ta gueule. Putain, il faut combien de balles toi pour se trouver? Seringue direct. On n'est pas encore mort une seule fois pour le moment, hein. Je m'en sors bien. On est en normal. C'est pas la difficulté la plus simple. Attendez, on va d'abord équiper, recharger. C'est très sombre hein, comme jeu quand même. Il y a quand même beaucoup de chargeurs là. C'est... Par contre, il y avait beaucoup d'ennemis, donc ouais, le bouton, on ne s'en serait pas sorti. Par là? Non. Ascenseur? Non. Par là? Attends, on est déjà venu ici, t'es là, mais c'était pas si glauque, c'est avec le gars au plafond. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, c'est ici qu'on avait une autre flingue, mais c'était pas si glauque que ça. What the fuck? Allez, passe la porte, pas le trou. Ils les placent bien, leurs ennemis. On sait pas du tout où est-ce qu'ils sont. Pourquoi il y a des poils à frites collé au mur. Quand un mec sous le lit? Non. Putain, c'est bruit. Je sais pas si vous flippez autant que moi, les gens. J'essaierai de mettre le son assez fort dans la vidéo pour que vous puissiez flipper aussi. De l'eau, mais il n'y a pas d'eau dans la baignoire qui coule. Bon. Oui, d'accord, bonjour. J'allais dire, bon, il n'y avait personne à cet étage, mais j'ai parlé trop vite. Ok. Je sais pas où on va en fait là, parce qu'on refait le tour une deuxième fois là, on est déjà passé partout ici. Cette note là c'est la deuxième non? Ouais. On est déjà venu. Là-bas on était rentré, ça avait les images glauques. Sérieux, c'est quoi ces bruits? Putain, mais d'où tu sors toi? J'ai plus de balles. Voilà, quand on a plus de balles,
passer une porte. Comme dans tous les jeux d'horreur, les ennemis ne savent pas passer les portes. Ça, c'est bien. Bon, bah là, je fais au couteau. J'ai plus beaucoup de chargeurs, l'air de rien. Allez, bonjour. T'es où? Ah, tu es revenu là. Voilà. T'as vraiment presque plus de vie. C'est quoi ces bruits, putain de merde? We can videotape with it. D'accord. Petite interaction avec quelques objets, sympa. Pourquoi il y a des grilles comme ça dans des simples appartements? C'est pas normal. Ah, on est revenu dans ce endroit-ci. En fait, je me sens plus à l'abri quand j'ai mon flingue dans la main que mon couteau, quoi. En haut, il y a quoi? Oula, on n'est jamais venu ici. Ah, c'est que ça la troisième. Ah, voilà, on avait loupé la troisième, elle était ici. Oh, c'est quoi ce bruit? Alors maintenant, alors que j'ai besoin de tuer quelques enfants, j'ai bloqué l'ascenseur dans le hall pour que seul le personnel y ait accès par un code secret. Je pense que nul enfant ne devinera, donc ils n'auront juste à prendre les escaliers. Pourquoi est-ce qu'il veut tuer des enfants, lui? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas, police et tout. On entend des cris derrière, c'est pas très rassurant tout ça. Ah, ok, de l'autre côté de la grille. Ah, un chargeur. Bon, voilà. Toujours sympa de prendre un petit chargeur. Moi, je suis toujours content, ça me rassure. Ça change pas avec un ennemi ici. Ah non. C'est calme. La porte n'a pas bougé. Celle-là encore moins, je parie, voilà. D'accord, et l'ascenseur, il fonctionne pas? Ah ouais, en effet, il y a un keypad à côté de l'ascenseur. Oh putain, il faut encore trouver un code. Putain, c'est un jeu à énigmes en fait. On va redescendre. Faut pas se perdre, hein. Le pire, c'est que quand tu cherches des trucs comme ça, énigmes, tu penses pas aux ennemis, du coup tu sursautes. Par exemple, lui là. Et c'est qui lui? C'est un nouvel ennemi. Bon, voilà, combat de piste. Moi j'ai plus de vie que toi. Ah, t'as pas l'air con là. Combien j'ai de seringues? Une. Ouais, non, on va la conserver pour quand on aura vraiment presque pas de vie. Mais là je vais équiper ça. Non, je voulais le combiner. Il y a vraiment le truc combine, ça veut dire quoi ça? Donc on peut combiner deux objets pour en fabriquer peut-être. Ah, tiens, mais c'est vraiment bien pensé. Ça fait un peu penser à Resident Evil, ce genre de truc, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai jamais joué à Resident Evil, mais parce que je connais de Resident Evil, c'est comme ça. Ah, mais y'a un truc là. C'est quoi ce machin dans l'eau? Qu'est-ce que c'est que ce machin? T'es tellement bloqué, j'en peux pas passer. D'accord, je ne sais pas ce qu'on cherche. Qu'on était déjà passé par là. On va y retourner. Écoutez, on cherche un code. On a dû louper un code quelque part. Ah, ça fait chier ça. Au moins quand on a des notes. Ah, mais attendez, le gars, dans ses notes, il avait parlé d'un code secret. Dans le 3. Regardez, il avait dit. Alors que j'ai quelques enfants, je bloquerai l'ascenseur dans le hall pour que seul personnel ait accès par un code secret. Je pense qu'une enfant devinera, donc il sera. Dans les escaliers. Donc il faut trouver un membre du personnel peut-être qui a un code. Putain, je tire avant même que je voie l'ennemi moi. Ah quoi? La porte se casse mais il arrive de derrière, c'est quoi ce machin? What? Logique. J'aime pas ces couleurs avec de l'eau. Bonjour. Non, y'a personne, d'accord.
C'est-à-dire quand tu t'attends à avoir un ennemi, il n'y a pas d'ennemi, quand tu t'y attends pas, ils arrivent. Ils ont bien géré ça. Oh, chargement. Bien qu'on est jamais venu ici. Ah, on est revenu dans ce... Ah si, on est déjà venu ici. Oh putain. Ah ok, on a passé les débris, je parie. Ah, parfait. Il n'y a pas... Une petite seringue. Non, bon, écoutez, faut qu'on descende dans la cave. C'est l'endroit le moins rassurant du monde. Ah, par contre, ça, c'est plus rassurant. Pfiou. D'accord. Il y a deux portes. Celle-là. Enfin, de l'autre côté. Celle-là. Ok. J'ai une clé. Yes. Un chargeur. Putain, il n'y a aucun bruit d'ambiance. Ça, c'est typiquement le genre de truc pour avoir des screamers. Ah non. Putain, on est dans les sous-sols, là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je pense qu'on est dans la cave. Bonjour. Quoi? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Attendez. Ils ont marqué cliquer sur mousse pour résister à la tentation du suicide. Donc on est mort parce qu'on s'est suicidé. Et y a le machin, c'est un fantôme, c'était quoi ce machin? Bon écoutez les gens, je pense qu'on tentera ça dans le prochain épisode parce que là, l'air de rien, ça fait déjà combien de temps? Ouais bon, écoutez, bah, c'est ce qu'on va faire. Les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode, on retentera ce machin bizarre dans le troisième épisode, donc j'espère que ça continue de vous plaire. Bon écoutez, même si c'est flippant, ça me plaît franchement, pour un jeu d'horreur, il me plaît. C'est vraiment rare, mais je vous avais dit, ce jeu... C'est peut-être l'un des seuls jeux d'horreur au monde qui me donne envie d'y jouer. Voilà, donc on continuera ça dans le troisième épisode la prochaine fois. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde !